Hello! Aujourd'hui dans cette vidéo, une petite méthode simple pour recharger vos lipos que vous pensiez HS. Allez, c'est parti! Alors je pense qu'on a déjà tous vécu ce moment où on veut aller voler, on branche notre lipo pour la faire recharger et là notre chargeur se met en erreur, il veut plus recharger la lipo parce qu'elle est descendue trop bas en tension, donc elle est censée être foutue. Il existe quand même une méthode, ou en tout cas il en existe plusieurs, mais c'est celle-là que je vais vous faire voir aujourd'hui, pour pouvoir ramener cette lipo à la vie. Alors j'ai ici ma lipo 2S, donc deux éléments, dont un élément est censé être HS, en tout cas n'est pas reconnu par mon chargeur, donc je ne peux plus recharger cette lipo-là. Donc ce qu'il faut déjà savoir, c'est que dans chaque élément, la tension nominale de l'élément est de 3,7 volts, et qu'il ne faut jamais descendre en dessous de 2,5 volts. Ça abîme les éléments et ça souvent les batteries sont considérées comme mortes. Donc pour ça j'ai un petit contrôleur qui me permet de voir un petit peu la tension qui reste dans la queue. Donc là on peut bien voir déjà qu'il détecte qu'un seul élément. Alors que cette lipo est une 2S mais on voit qu'il détecte qu'un seul élément. Donc si je la compare avec une autre lipo, par exemple cette 2S, on peut voir qu'elle est chargée à 43% avec 7,6 volts en tout. Et si on navigue sur les éléments, on voit qu'il y a 3,8 volts dans un élément et 3,8 volts dans le deuxième élément. Donc 43%, c'est à peu près le bon pourcentage pour pouvoir stocker une batterie sans risquer de l'abîmer. Alors pour revenir à celle-là, on va essayer de la charger. On va essayer de faire du coup notre balance en partant du principe que les deux éléments fonctionnent. Je vais vouloir mettre 500 mAh dans ma batterie en 2S. Alors ce que me dit mon chargeur, c'est que j'ai sélectionné deux éléments et que lui ne trouve qu'un seul élément. Donc j'essaie quand même de charger ma batterie. Et là, elle se met en erreur. Donc il y a une solution qui permet de récupérer comme ça l'élément manquant. La plupart du temps ça marche, sauf si vraiment on descend trop bas et que là du coup ça a carrément endommagé la queue et que vraiment elle n'est pas récupérable. Celle-là est quand même vraiment descendue très très bas, mais avec cette méthode ça devrait pouvoir marcher. Simplement il suffit de charger la lipo, non plus avec le mode lipo, mais en la chargeant avec le mode NIMH pour charger des batteries NIMH. Et là je vais commencer à la recharger, donc je reste à côté évidemment. Et ça va durer que quelques secondes, je la laisse pas charger très longtemps. Donc évidemment, quand je recharge avec ce mode NIMH, je reste toujours à côté de ma lipo, parce que simplement il n'est pas équipé du mode de balance des éléments. Donc lui, il va envoyer le jus tel qu'il vient. Les éléments ne seront pas équilibrés, et on risque surtout d'envoyer trop de jus dans l'élément, qui risquerait de gonfler, d'endommager cette lipo-là. Mais en tout cas, on va le charger que quelques secondes, 10 secondes, 15 secondes. Voilà, j'arrête à 13 secondes déjà, je vais essayer. Je reviens sur le mode lipo. J'envoie mes 500 mAh en 2S. Et voilà, donc là ça marche. J'ai bien sélectionné que je voulais recharger deux éléments. Et mon chargeur trouve les deux éléments. Donc je vais pouvoir normalement lancer ma recharge. Et c'est parti. Alors j'arrête la charge, juste déjà pour vous faire voir, je rebranche ma lipo sur mon contrôleur, donc le contrôleur trouve bien deux éléments, avec un voltage général de 7,4 volts, mon premier élément est chargé à 3,4, et mon deuxième élément à 3,9, et ma batterie est chargée à 35%, donc j'ai arrêté la charge en route pour vous faire voir que ça fonctionnait bien. Alors voilà, en tout cas je vous recommande vraiment ce petit objet qui est vraiment très pratique. Grâce à ce petit contrôleur, déjà, simplement, vous allez pouvoir vous apercevoir en pourcentage à combien elle est chargée. Et ça vous évitera de partir voler avec une batterie qui n'est pas chargée en plein ou qui est même complètement déchargée. Ça vous permet également de voir si votre balance des éléments est bien faite, puisqu'on peut naviguer d'élément en élément dans la lipo. Et ce sera également très pratique après un vol, en tout cas pour stocker votre lipo, pour checker si vous êtes descendu trop bas en tension. Et dans ce cas-là, rechargez-la un tout petit peu, à 40% à peu près, histoire de pouvoir les stocker dans de bonnes conditions et que la prochaine fois que vous allez voler, vous ne trouverez pas votre lipo à nouveau morte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pense à lâcher un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!